Merci à tout le monde, aux gentils organisateurs. Je vais essayer d'être clair et de pardonner aux retardataires, mais enfin c'est pas grave, ils ne dérangent pas, non pas du tout, ça va. Bon, en introduction, je voudrais vous raconter une petite histoire. En son temps, mon maître, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, m'a demandé d'intervenir auprès d'un public d'ecclésiastiques francophones. Des bonnes sœurs, des curés, tout ça, quoi. On appelait en Algérie des propres villes. C'est-à-dire des ecclésiastiques, dominicains, dans un monastère à Jérusalem. Bon, si mon Rav me dit d'y aller, j'y vais. Et ils m'ont demandé de quoi vous voulez que je vous parle. Ils m'ont dit, nous voudrions que monsieur le rabbin, vous savez, ils ont un style un peu onctueux comme ça, ecclésiastique, voulez-vous bien nous parler de la signification religieuse de Yom HaAtzmaut. Bon, j'arrive, on a discuté pendant 2h30, ils ont connu leur douleur. Et je leur ai expliqué que je ne pouvais pas parler de la signification religieuse de Yom HaAtzmaut pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de signification religieuse à Yom HaAtzmaut. De même, qu'il n'y a aucune signification religieuse à la fête de Pessah, ou au Shabbat, ou à aucun des commandements du judaïsme. Pour une raison très simple, c'est que le judaïsme n'est pas une religion, mais une nation. Une identité nationale, et donc rien n'est religieux, ça peut être divin si vous voulez, ça vient de Dieu, mais c'est adressé à une nation, pas à une communauté religieuse. Immédiatement, j'ai reçu une pluie de questions, d'objections, du style, comment est-ce qu'on peut s'identifier avec un état où on transgresse le Shabbat, il n'y a pas de tzniout chez les femmes? Et puis de toute façon, il faut attendre que le Mashiach vienne. Et puis c'est quand même Kochi Veotzen Yadi, c'est-à-dire c'est la force de mon bras. Enfin, comment est-ce qu'on peut accepter ça? Je connaissais ces objections, mais d'ailleurs, je les avais entendues ailleurs. Et j'ai découvert la source. C'est assez surprenant. Alors, évidemment, il a fallu que je leur explique tout ce que cela voulait dire. Bon, par exemple, pour le verset, le fameux verset qui dit « Tu verras, c'est la force, c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a fait cette réussite. » Kochi Veotzen Yadi Asanita Ha'ilazé. Je leur ai expliqué que cette phrase était un commandement de la Torah. Ainsi qu'il est dit « Ve'amarta, et tu diras, Kochi Veotzen Yadi Asanita Ha'ilazé. » Et donc, c'est un devoir, ce qu'on appelle l'orgueil national, fait partie des commandements de la Torah. Alors évidemment, ils se sont dit, oh, c'est complètement fou ce rabbin. J'aurais dit, mais je vais vous le prouver, amenez-moi une Bible. Alors ils m'ont amené quelque chose à plein de croix. Alors j'aurais demandé, mais non, autre chose, vous n'avez pas quelque chose sans des croix? Alors ils ont amené quand même, et je leur ai expliqué évidemment tout ce que enseigne le Ran, Rabbi Nounissim de Gérone, ainsi que Rabbi Yitzhak Abravanel, et qu'on retrouve dans d'autres textes également, sur la base du Smag entre autres, que... quand la Torah dit « Tu diras, c'est la force de mon bras hein, », il y a un supplément. « Vezacharta et Hashem Elohecha, qui obtiendra quoi chasot ra'il » Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne la force de réussir. Et de même que, par exemple, dans la Torah, vous avez la fameuse expression « Ve'achalta ve'savata » Tu mangeras et tu te rassasiras. Et après, la Torah dit « Uverachta » et tu devras bénir. Donc, on doit être rassasié pour faire le Birkat Amazon. On doit être fier de ce que l'on a fait pour pouvoir se souvenir de Dieu. Donc, c'est ça que ça veut dire. Alors évidemment, ça a été pour eux un énorme chidouche. Finalement, une des bonnes sœurs présentes a demandé, mais enfin, est-ce que vous allez construire le temple? Je leur ai dit, mais bien sûr, elle a failli s'évanouir. Et je lui explique, ben, elle m'a dit, mais finalement, c'est pas possible ce que vous dites, monsieur le rabbin, parce que d'après la Torah, ce que vous dites, ce sont des hommes qui vont construire le Beth Amikdash. Or, d'après la Torah, le Beth Amikdash sera construit par le Mashiach. Alors j'ai dû très
charitablement, beaucoup de charité chrétienne, lui rappeler que, selon la tradition juive, le Messie est un homme. Un homme. Un être humain. D'accord ? Bon. Alors maintenant, une fois que nous avons donné cette information, c'est très important de comprendre quelle est la stratégie donc, de la Torah par rapport à l'événement de l'indépendance d'Israël, la fondation de l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fondation de l'État d'Israël? Qu'est-ce que ça signifie dans le cadre du calendrier hébraïque, de manière générale? Et de manière plus générale, quel est le projet? Le projet, si vous voulez, je vais être un peu prétentieux, le projet d'Akadosh Baruch Hu, le projet de la Providence dans la fondation de l'État d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais je voudrais m'arrêter sur un point très important, la notion d'indépendance. La notion d'indépendance est intrinsèquement liée à l'idée de création. Là, je voudrais rentrer avec vous dans la sphère métaphysique. Ça va demander donc un effort, de soutenir un effort intellectuel absolument incroyable, mais enfin, vous allez le faire quand même. Vous savez que d'après la Torah, le monde est créé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'après la Torah, le monde est créé. Ça veut dire que le monde est le fruit d'un acte de volonté de l'infini qui a voulu que le monde soit. Pour l'instant, je ne dis pas de bêtises. Vous acceptez ou pas? Une petite objection. Allez-y. Dans le Zohar, on dit que Dieu a créé le monde futur avant de créer ce monde-ci. D'accord, il a créé. D'accord? Très bien, très bien. Donc, maintenant, je voudrais arriver à une conséquence très grave à ce que je vais dire. Hein? Ça veut dire que le monde n'est pas Dieu. Le monde n'est pas Dieu. Vous êtes d'accord? C'est là que ça va commencer à grincer. C'est une création de Dieu. Oui, si le monde est une création de Dieu, c'est donc que le monde n'est pas Dieu. C'est d'accord? Non, je dis ça parce qu'on a une tendance, à cause d'influences populaires, d'expressions chassidiques, d'oublier ces choses-là. N'est-ce pas? On dit « les tatars panouillinés, Dieu est partout », etc. Alors on oublie que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes une créature. D'accord? Dans le langage des kabbalistes, par exemple, si je prends l'enseignement du Baal HaSoulam, du Rav Ashlag, ça veut dire que si Dieu est celui dont l'être consiste à donner l'être, la création, c'est celui dont l'être consiste à recevoir l'être. C'est donc une antithèse. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? Dieu donne, la créature reçoit. Ce n'est pas la même chose. Jusque-là, vous êtes d'accord? Génial. Donc, on va pouvoir avancer. Ça veut dire que s'il y a un projet dans la création, eh bien, ce projet est de créer quelque chose qui est autre, qui est en altérité totale par rapport au créateur. Donc, créer veut dire, si c'est vraiment sérieux, que ce n'est pas des blagues, qu'Akadosh Baruch Hu ne se moque pas de nous, si Dieu est véritablement créateur, ça veut dire qu'il veut donner à l'être créé son indépendance, son autonomie totale. Tant qu'il n'y a pas d'autonomie de la créature, le projet de la création n'est pas encore véritablement réussi. Pas d'indépendance, échec de la création. Donc on peut dire, d'une certaine manière, c'est l'enseignement du Ramchal d'ailleurs, que le but de la création, c'est d'arriver à créer un être véritablement autonome. Qu'est-ce qui peut faire qu'un être soit autonome? Est-ce qu'un chat, ou une girafe, ou une laitue est autonome? La réponse est non, pour raison très simple. Si je me demande qui donne la vie à la girafe, eh bien le créateur donne la vie à la girafe. Donc la girafe n'a pas de vie par elle-même, elle n'est pas véritablement autonome. Il en est de même pour la laitue ou même une carotte. D'accord? Quand je dis laitue ou carotte, ce sont des exemples, ça pourrait très bien être un chou par exemple. Mais en tout cas, vous comprenez que quand un être reçoit sa vie de quelqu'un d'autre, qui n'a pas encore mérité son être, il n'est pas véritablement indépendant, il n'est donc pas véritablement créature. Dans l'enseignement du Harizal, c'est la différence entre Berouim et Nivraim. Vous connaissez peut-être ces expressions-là. Les Berouim sont ceux qui reçoivent leur être du Créateur, et le Nivra, c'est celui qui a mérité son être. En fait, il ne peut y avoir de créature véritable que chez l'homme. L'homme, étant donné qu'il est
doué de libre arbitre peut mériter son être. Et donc il faut mériter son être. Alors si c'est vrai, ça explique beaucoup de choses autour de l'histoire. Vous avez compris ce que je dis là, parce que là je vais rentrer après, je vais compliquer les choses. Jusque là ça va? D'accord. Vous avez une interro là-dessus à la fin, donc vous avez intérêt à faire attention. Si quelque chose n'est pas clair pendant le cours du cours, eh bien, il n'y a aucun espoir que la suite expliquera mieux. Donc, si quelque chose n'est pas clair, il faut le dire tout de suite. Bon, continuons. Ça veut dire qu'à chaque fois que se passe un événement important dans l'histoire et que Akadosh Baruch Hu intervient, c'est un échec. Je voudrais ici reprendre un enseignement de Manitou. Vous savez que selon le texte de la Torah, nous sommes actuellement dans le temps que la Torah définit comme étant le septième jour. Le septième jour, c'est le moment où Dieu cesse d'intervenir dans la création et il attend de la créature de parachever l'œuvre de la création. Eh bien, il y a de temps en temps, pourtant, des moments où Dieu est intervenu dans l'histoire. Du point de vue de la halakha, ça s'appelle profanation du Shabbat. Le Shabbat. Quand est-ce qu'on a le droit de profaner le Shabbat? Quand il y a un picor nefesh, quand il y a un danger d'échec total de la vie. Donc à chaque fois que dans l'histoire, il a été nécessaire que Dieu intervienne, c'est parce que s'il n'intervenait pas, eh bien le projet n'aurait pas réussi. Mais, en vérité, il semblerait que de plus en plus, Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. Et ça s'exprime dans une progression très importante dans ce qu'on appelle les mo'adim. Les mo'adim sont les temps de rencontre entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. D'accord ? Et les mo'adé Hachem, Mikrae Kodesh, Hachem Kikriu Otam, les mo'adam, voici les rencontres de Dieu qui sont appelées saintes, les mo'adé Hachem, Mikrae Kodesh, Hachem Kikriu Otam, que vous invoquerez vous-même, les mo'adam en leur temps. Et le premier des temps sanctifiés, c'est quoi ? Quel est le premier des temps sanctifiés? Shabbat. Le Shabbat, évidemment. Le Shabbat, il vient commémorer quoi? La création du monde, n'est-ce pas? Petite question. Qui a créé le monde? C'est Dieu, n'est-ce pas? Petite question supplémentaire. Qui l'a aidé à faire ça? Personne. Personne. Il l'a fait tout seul. N'est-ce pas? Dieu a créé le monde tout seul. Il n'y a donc aucune participation de l'homme dans l'émergence du Shabbat. Le Shabbat, c'est une œuvre entièrement divine. Donc du point de vue du projet de la création, le Shabbat est très loin d'être une réussite. Pour accéder à la sainteté du Shabbat, qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je dois faire? Rien. Je dois m'abstenir de me comporter en homme. Un homme, c'est un être qui agit, qui œuvre. Pour intégrer la sainteté du Shabbat, je dois cesser tout travail humain. Évidemment, si je travaille, je dérange. Akadosh Baruch Hu veut amener la sainteté du Shabbat, il me dit, alors, évacue le terrain, ne fais rien. La sainteté du Shabbat pourra apparaître. Bon, d'accord. Mais, au Hachem, il y a d'autres moments dans l'histoire où l'homme a participé. Il y a eu un moment très important qu'on appelle la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est commémorée par 7 jours de fête dans l'année. Il y a 7 jours de fête qui commémorent la sortie d'Égypte, qui sont le premier jour de Pessah et le septième jour, la fête de Shavuot, Rosh Hashanah Yom HaKippurim, le premier jour de Sukkot et Simchat Torah. Donc vous avez 7 fêtes qu'on appelle des Mo'adim, Yamim Tovim. Et c'est intéressant de voir que il y a des travaux qui sont autorisés à Yom Tov. On a le droit de faire la cuisine, on a le droit de faire sortir un objet dans la voie publique. Donc, à Yom Tov, c'est vrai que 90% des interdits de Shabbat restent, mais il y a quand même un petit pourcentage de travaux que nous avons le droit de faire. Ah bon? Pourquoi c'est différent de Shabbat? Eh bien, c'est très simple.
qui a fait la sortie d'Égypte? Hachem, il a fait 90%. Mais il y a quand même un pourcentage qui a été fait par nous. C'est le fait de sortir d'Égypte. Nous avons marché. Imaginez par exemple qu'Akadosh Baruch Hu dise, voilà, vous pouvez sortir. Non, on reste. Il n'y aura ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Rosh Hashanah, okay, bon. C'est-à-dire, les pieds des enfants d'Israël, les pieds de nos ancêtres, ont réalisé une partie de l'événement. Et donc, nous avons le droit de ne pas totalement disparaître pour intégrer cette sainteté. Et donc, il y a quelques travaux qui sont autorisés quand même. Vous avez compris? Mais, bon, ça c'est très bien, donc il y a le Shabbat et vous avez les 7 jours de Yom Tov. Où est-ce que c'est écrit tout ça, qu'il y a des jours de Shabbat et de Yom Tov dans la Torah? Dans quel paracha? Dans les morts. Dans les morts, c'est celle de cette semaine. Dans cette semaine, vous avez la liste des Moadim et morts. Et puis, à la fin de la liste des Moadim, la Torah nous dit Vayedaber Moshe et Moadé Hachem de Béné Israël. Et Moshe raconta les fêtes de Dieu aux enfants d'Israël. Ce verset a l'air d'une banalité navrante. Pour une raison très simple. Quand est-ce que si Akadosh Baruch Hu dit, si Dieu a dit au début, va d'abord Hachem et Moshe les morts, d'abord et béni Israël, et Dieu dit à Moïse en ces termes, va dire aux enfants d'Israël que, alors on s'imagine qu'une fois que Moshe a reçu l'ordre de Dieu de dire aux enfants d'Israël qu'il est fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé leur dire, d'accord? Et donc, ça a l'air absolument inutile ce verset. Il est déconcertant ce verset qui nous dit. Et alors, Moshe a raconté les Moadé Hachem aux enfants d'Israël. Ça tient pas la route. C'est pour ça d'ailleurs que la Gemara donne une interprétation midrashique de ce verset, qui leur a dit qu'il fallait enseigner les lois des fêtes pendant les fêtes, etc. Mais c'est un drash. C'est très simple. Vaïdaber Moshe, Moadé Hachem aux enfants d'Israël. Et Moshe a enseigné aux enfants d'Israël comment innover encore de nouvelles fêtes. C'est-à-dire, le plan du Yom Tov, des jours de la Torah, des jours de rencontre avec Dieu dans la Torah, c'est une sorte de, on dirait, de tavnit, de format. Ouais, de format. Comment, pendant le cours de l'histoire, il y aura à nouveau collaboration entre Dieu et les hommes pour amener de nouvelles fêtes. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah juste après ce verset? Il y a 2 commandements qui apparaissent juste après, qui ont l'air déplacés, mais au possible. Il y a la mitzvah, il y a le commandement de mettre de l'huile dans le candélabre du temple, alors que ça apparaît déjà dans le livre de Shemot, dans la paracha de Tetzaveh, et là ça apparaît à nouveau, on se demande pourquoi. Et puis après, il y a également la mitzvah d'amener des pains de proposition sur la table dans le Beit HaMikdash. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Alors, des commentaires chassidiques ont dit que c'était en fait les origines des nouvelles fêtes. Quelle est la fête qui vient après Sukkot? Hanouka. Elle a son origine, cette fête, dans le candélabre qu'on allume dans le sanctuaire du temple, n'est-ce pas? Donc, la Torah nous a dit, dans le Beit HaMikdash se trouvent les points d'origine des nouvelles fêtes. La fête de Hanouka. Et puis après, il y a une autre fête après Hanouka, c'est quoi? Pourim. Qu'est-ce que c'est Pourim? C'est une fête dans laquelle on mange bien, il y a une table. C'est dans quel mois? Le 12e, n'est-ce pas? Donc il y a 12 pains de proposition qui sont faits de semoule d'ailleurs. C'est d'ailleurs à mon sens l'origine du fait que en Afrique du Nord on faisait des gâteaux à la semoule pour Pourim, le Mekrout, etc. D'accord? Ça, c'est pas des blagues, ça est de là-bas. Et puis, et alors essayons de comprendre un peu ce qui se passe. Bon, historiquement parlant, la fête de Pourim est antérieure à la fête de Hanouka. Quels sont les travaux interdits à Pourim? Aucun. Tous les travaux sont autorisés, sauf deux.
Comment ? De jeûner. Non, c'est pas un travail de jeûner. Il y a deux travaux. Il y a un minhag de ne pas planter des arbres et de ne pas construire des maisons à pourrir. C'est tout. D'accord ? On ne plante pas d'arbres et on ne construit pas de maisons à pourrir. Alors pourquoi ça ? C'est très simple. Si on va selon la logique de ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, on voit que qui c'est qui a fait la fête de pourrir ? C'est les Juifs. Vous savez comment ils ont fait ça ? Ils ont massacré leurs ennemis. D'accord ? On les a eus. D'accord ? Nous avons massacré les Amalécites, 75 000, chez. Nous avons pendu les 10 fils d'Aman. C'est nous qui avons fait ça. D'accord ? Donc c'est pas mal. Mais il y a quand même quelque chose. C'était pas en Eretz Israël. Vous allez planter un arbre ou construire une maison alors que l'événement ne s'est pas fait dans le lieu où on doit construire des maisons et planter des arbres. Où est-ce qu'on doit construire des maisons et planter des arbres ? En Eretz Israël, chez nous. Vous savez qu'il y a une tradition dans certaines familles marocaines de ne pas planter d'arbres en galoute et de ne pas porter de vêtements verts. Oui, parce que ça ressemble à la floraison, à la verdure. D'accord ? Oui, il y a des familles comme ça. Donc il y a quelque chose, surtout que ça a quand même été fait par un peu d'intervention divine, comme Akadosh Baruch Hu a quand même fait quelque chose dans le rouleau d'Esther, n'est-ce pas, dans l'histoire d'Esther. S'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu qui était intervenu par-ci, par-là, discrètement, mais il est intervenu quand même, alors l'histoire ne se serait pas passée. Petite question, quels sont les travaux interdits à Hanouka ? Hein ? Tous les travaux sont autorisés, sauf pendant une demi-heure où les lumières sont allumées. Alors là, les femmes ne travaillent pas. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka ? Il s'est passé deux choses. Il y a eu la victoire contre les Grecs. Et accessoirement, il y a eu également un petit miracle avec une fiole d'huile, n'est-ce pas, dans le Beth Amikdash. N'est-ce pas ? Ça, c'était miraculeux. Qui c'est qui a fait la guerre contre les Grecs ? C'est nous. On fait la guerre et on est Israël encore plus. Alors, on va quand même pas se priver de faire des travaux puisque c'est nous qui avons fait le miracle. Mais il y a quand même un événement surnaturel. Ça dépendait entièrement d'Akadosh Baruch Hu, en souvenir duquel on fait l'allumage des bougies. Alors pendant le temps où les bougies brûlent, alors on ne fait pas de travaux, mais uniquement les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes ne font pas la guerre. D'accord ? Passons maintenant à plus loin. Quels sont les travaux interdits à Yom HaAtzmaout ? Aucun. Pourquoi ? Les femmes ont été interdites de faire les travaux, pendant la lumière, c'est surtout pour rappeler le fait qu'elles étaient les grillades. Elles étaient par les Grecs, elles étaient poursuivies par les Grecs. Oui, elles ont été persécutées par les Grecs. Persécutées, cherchez le mot, persécutées. Oui. Et c'est justement en cette... Elles étaient donc concernées plus que les hommes. Et c'est pour cela qu'on leur a dit... Par cet aspect-là. Oui. Les lumières. Oui. Mais le Hallel, par exemple, qui vient en souvenir de l'indépendance, ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait d'accord. Et donc, j'arrive maintenant au point important de notre point de vue. Quels sont les travaux interdits à Yom HaAtzmaout ? Aucun. Pourquoi ? Parce que ça a été entièrement fait par des voies naturelles, sans transformation de la nature. Donc, on peut dire que la Kedusha du Shabbat a traversé les Mohadim, les Yom Tov, a traversé Hanouka et Purim, et la sainteté est... Qu'est-ce qu'il y a ? À Purim aussi, ça a été pas... Non, il y a eu quand même un petit peu. On ne voit pas comment d'Hachem. Si, il y a une histoire. Il y a toutes les coïncidences qu'il y a là-dedans. Et finalement, la sainteté est arrivée à son indépendance en 1948. C'est-à-dire que le projet de la création a réussi. De ce point de vue-là, le jour de Yom HaAtzmaout est donc l'aboutissement de l'œuvre de la création. C'est donc la fête la plus importante du calendrier. Vous avez compris ?
le Shabbat étant une approximation. Et puis après, ça réussit jusqu'à ce que ça arrive. Ça prend quelques milliers d'années et ça devient Yom Ha'atzmaut. D'accord ? Et donc, là, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Oui ? Il y a une guerre. Après, je vais traduire en français ce que vous dites, parce que si le public est francophone. Il y a une guerre. Oui. Et donc, on voit une victoire militaire. Oui, c'est vrai. Mais on peut dire qu'elle est complètement. Cette victoire, elle tient pas debout de façon logique, a priori. Ça se discute. Enfin, mais je vais vous dire quelque chose. C'est là la grandeur de ce qui se passe. C'est entièrement fait par les hommes et entièrement fait par la Kadosh Baruch Hu à la fois. C'est et ça, là, je... alors. Non, justement, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous avez fait une très bonne introduction au problème que je pose. Il y a une épreuve chez les hommes. C'est l'épreuve de la reconnaissance. Et là, on va tout de suite arriver à votre question. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu peut faire à ma place? Tout. N'est-ce pas? Par exemple, si j'ai faim, j'ai deux manières d'être rassasié. Soit je mange, et donc je n'ai plus faim, soit Akadosh Baruch Hu, par intervention directe, fait que je suis rassasié. D'accord? Donc, tout peut être fait par Akadosh Baruch Hu, sauf une seule chose, que par définition, Dieu ne peut pas faire à ma place. Le remercier. Remercier, la reconnaissance, c'est là que je m'exprime de manière absolue comme créature autonome. Donc l'épreuve qui va prouver que le projet d'Akadosh Baruch Hu a réussi, c'est quand je suis capable de gratitude. Et donc l'échec, c'est quand il n'y a pas de gratitude. Vous comprenez l'importance du Hallel. Maintenant, on peut dire, oui, d'accord, mais la gratitude, ça va de soi. Si Akadosh Baruch Hu te fait un miracle, qui ne va pas le remercier? Imaginez par exemple, vous êtes poursuivi par l'armée du Pharaon, et devant vous, il y a une mer houleuse. Danger terrible. Et puis, Moshe ouvre la mer, vous y passez, vous êtes plein de reconnaissance. D'accord? Shirataya, le cantique de la mer rouge, c'est évident. Quand est-ce que l'épreuve est véritable? C'est quand on peut penser que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui le fait. Et là, vous avez deux manières d'être ingrat envers Akadosh Baruch Hu. Vous avez une manière, ce qu'on appelle chilonite. La manière chilonite est la suivante. Elle dit, vous autres les religieux, vous n'allez quand même pas vous imaginer que c'est Dieu qui a fondé l'État d'Israël, alors que tout le monde sait très bien que c'est le palmar qui l'a fait. Hein, camarade? Syndiqué. Et puis, vous avez une autre version de cette attitude. Dis-moi, tu penses vraiment que c'est que Akadosh Baruch Hu qui a construit l'État d'Israël alors que c'est le palmar? Les Gdoïlim m'ont dit que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Vous avez compris? C'est en fait la même chose. C'est la même kfira, la même hérésie, mais avec une différence de style. On peut, pour des raisons religieuses ou des raisons triloniotes, être hérétique. Mais vous comprenez que l'épreuve, c'est l'épreuve de la reconnaissance. C'est pour ça que justement et précisément, dans la fondation de l'État d'Israël, il n'y a pas eu de transformation de la nature. Tout s'est fait par des voies naturelles et tout s'est fait par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est 100% l'homme qui a fait et 100% Dieu qui a fait. Celui qui en est conscient est capable de dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Sinon, non. D'accord? Ça répond à votre question. D'accord? Il y a donc ici quelque chose de très important, c'est l'éveil de la créature qui, à travers sa fonction de reconnaissance, de gratitude, parachève l'œuvre de la création. C'est ça notre intention, notre kavana, lorsque nous faisons l'Hallel à Yom Ha'atzmaut. Jusque-là, tout est clair? Parce que nous allons un peu compliquer la chose. Si c'est vrai ce que je vous ai dit, alors, dans la paracha de Emor, après les fêtes, quand vous avez, après vous avez l'allumage des lumières dans le Beth Amikdash, qui est l'origine de Hanouka, vous avez les pains dans le Beth Amikdash, qui sont l'origine de Purim, il devrait y avoir un troisième commandement,
lui aussi lié au Beth Amikdash, qui serait l'origine de Yom HaAtzmaut. Eh bien, qu'est-ce que dit la Torah juste après? Non. Elle raconte l'histoire du blasphémateur qui s'est fait lapider. Vayetse ben Aïcha Israël. Incroyable. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Alors effectivement, il y a une plaisanterie qui court à Bnei Brak, qui est « Ah ouais, c'est ça Yom HaAtzmaut, c'est le blasphème. » Mais c'est la vérité. C'est quoi le blasphémateur en question? D'abord, j'ai remarqué que la manière dont il est lapidé est absolument incroyable. La Torah dit que tous ceux qui ont entendu le blasphème doivent poser leurs mains sur sa tête avant qu'on le lapide. Quand est-ce qu'on pose la main sur quelque chose? Quand c'est un sacrifice. C'est pas un sacrifice. C'est comme si c'était un prolongement du Beth Amikdash. Donc c'est une troisième mitzvah. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce blasphémateur? Le blasphémateur est un personnage assez bizarre. Il écrit Vayetse ben Aïcha et Israélite ou ben Ishmitzri. C'est un fils d'une Israélite et d'un Égyptien. Quel est l'Égyptien qui était le père de ce garçon? C'est celui que Moshe a tué, dit le Midrash. C'est-à-dire, il y a une vieille histoire. Et, vous savez, c'est un type qui a une identité pas très claire. Il ne sait pas s'il appartient au peuple d'Israël, par son père, ou s'il, non, par sa mère, ou s'il appartient aux Égyptiens par son père. C'est quelqu'un qui a une identité de frontière. Il est à la frontière entre deux civilisations. Et puis, il a une difficulté dans sa parole, le blasphème. Vous avez entendu parler de quelqu'un qui était un peu égyptien, un peu hébreu, et qui avait un problème de parole? Bizarre, ça. Pourquoi est-ce que le libérateur d'Israël a été formé par la Providence de cette manière? C'est parce que le projet de la délivrance concerne à la fois Israël et les nations. Donc, le libérateur doit être un produit des deux civilisations à la fois. Ce qui explique sa difficulté à s'exprimer. Et puis, un beau jour, on amène à Moshe quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Un peu égyptien, un peu hébreu, et qui a du mal à parler. Il blasphème. Moshe se dit, l'oporash maya assez long, on ne sait pas ce qu'il faut faire avec lui. Peut-être que c'est le Mashiach. Peut-être que c'est quelqu'un, vous imaginez par exemple un libérateur, quelqu'un qui aurait grandi, qui serait d'origine juive, mais qui aurait grandi par exemple dans des cercles littéraires à Vienne, et puis qui essaye d'expliquer à des juifs de tradition qu'il est venu réaliser le projet de leurs ancêtres. Quelque chose comme ça, un peu bizarre. D'accord? Alors, Moshe se dit, peut-être que c'est lui. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Non, c'est pas encore le moment. Lui, c'est un blasphémateur, il faut le lapider. Mais c'est l'origine du Yom HaAtzmaut. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Le mouvement au sein du peuple juif qui a amené l'apparition de l'État d'Israël était un mouvement de chutzpah par définition. C'était se révolter de manière avec effronterie contre la galoute et contre les rabbanim qui disaient que ce n'était pas le moment. Il y a un moment... Je sais que je suis proche du moment où je dois finir le cours. Il y a eu un moment dans la Torah où Moshe a été littéralement cassé, brisé. Il y a eu une épreuve où Moshe a dit « je renonce ». Alors, moi je ne sais pas, si j'étais à la place de Moshe, je penserais que l'épreuve la plus dure c'est de voir le veau d'or. Comment, quelques jours auparavant, Dieu leur a dit, tu ne feras pas d'idole, je descends, tac, je vois des idoles. Ah, Moshe ne perd pas le nord, il sait très bien ce qu'il faut faire. Ah, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on brise les tables, on tue 3000 personnes, on fait la prière, on ramène d'autres tables et on construit le Mishkan. Voilà, donc Moshe s'y connaît. Et puis, un beau jour, le peuple demande à Moshe, nous voulons de la viande, nous voulons de la viande. Moshe dit, oh, si c'est comme ça, je préfère mourir. Orgeninahar. Incroyable, pourquoi est-ce que... Alors que demander de la viande, c'est pas un péché.
C'est peut-être un peu bas, mais c'est pas un péché. Tandis que faire le veau d'or, ça c'est très grave. Le Rav Kook explique, dans Shmona Kvatzim, que la raison pour laquelle Moshe a été brisé par cette histoire de la viande, c'est que c'était un mouvement de chutzpah. Or, celui qui donne la Torah ne peut pas donner la Torah s'il n'y a pas un réceptacle d'humilité, un peu de timidité même, de boucha, qui doit y avoir, c'est celui qui reçoit la Torah. Quand il a vu que le peuple était susceptible de chutzpah, il dit « Ah, moi je ne me connais pas, je renonce ». Et le Rav Kook dit, c'est pour ça que Moshe n'est pas devenu le Mashiach. Parce qu'il n'a pas été capable d'intégrer la sainteté qui se cache dans la chutzpah des enfants d'Israël. Mais le Mashiach, dit le Rav Kook, est celui qui est capable de voir la main de Dieu, la présence de la Kedusha, au sein de la chutzpah des enfants d'Israël. À mon sens, ça explique quelque chose de très important. Vous savez que il y a beaucoup d'usages autour de Yom HaAtzmaut. Il y a le Hallel, pas tout le monde veut le réciter. On a essayé des petits marteaux comme ça qui font pip pip, ça n'a pas marché. Il y a le Chidon HaTanar chaque année, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais il y a quelque chose qui passe, 91% de la société israélienne le fait. C'est à la hache. C'est les grillades à Yom HaAtzmaut. D'où ça vient ça? Non, pas du tout. C'est pas le Corban Pessah. À mon sens, c'est ça. Il y a une intuition du peuple d'Israël que comme la Géoula s'est faite à travers la Chutzpah, il y a une intégration de ce que Moshe n'a pas réussi à intégrer. Quand le peuple a demandé de la viande et que Moshe a flanché. Et bien, comme nous savons que ça a réussi maintenant, donc instinctivement, le peuple d'Israël, qui a le roi à Kodesh, sait que c'est ça qu'il faut faire à Yom HaAtzmaut. Alors bon appétit et shalom.